intéressé dans la démarche du SICOVAL dans le territoire d'expérimentation, c'est le réseau qui a été développé par le SICOVAL grâce à la coopération qu'ils ont avec leurs partenaires à Saint-Louis du Sénégal. On est un service de covoiturage, donc on a besoin de covoitureurs. Et grâce à ce dispositif-là, on va pouvoir parler à l'échelle d'un territoire à tout un tas de personnes qui vont pouvoir utiliser notre service, le tester. Je suis accompagné dans la pépinière Prologue depuis 2 ans. Et lorsqu'on m'a proposé d'intégrer ce dispositif, c'était tout naturel pour moi de le faire. On attend du dispositif de pouvoir avoir des vrais retours concrets terrain, et puis bien sûr de convaincre les collectivités et la collectivité que nous apportons une réelle solution innovante et constructive. L'objectif, c'est d'avoir un maximum d'offres pour que les gens puissent trouver facilement des trajets disponibles. Et donc dans ce cadre-là de l'expérimentation, on va pouvoir constituer cette masse critique d'utilisateurs. Et pour nous aussi, ce qui est très important, c'est que grâce à la collaboration qu'a le SICOVAL avec ces régions-là, on va pouvoir avoir un retour d'expérience régulier sur le système, le fonctionnement de notre système, les performances de notre système et faire un échange pour améliorer notre système. On a des idées et il faut être sûr que ce ne soient pas des fausses bonnes idées. Et il n'y a que les retours terrain quand on travaille avec la collectivité, le particulier, le service rendu, l'installateur, le mainteneur. Et c'est là où on apprend réellement à faire une solution optimale et adaptée à un marché. L'enjeu, c'est l'accès à l'eau potable pour ces populations qui sont dans des villages disséminés. Nous avons aujourd'hui plus de 250 comptes ouverts, des sociétés ou des associations. Et l'enjeu pour nous est d'équiper les collectivités sur le territoire. L'enjeu pour le territoire, ça va être de pouvoir avoir de nouvelles solutions de transport en commun qui sont apportées par le covoiturage. Là où le transport en commun ne va pas, le covoiturage va. Nos ambitions dans les prochaines années sont de pouvoir créer notre propre ligne d'assemblage de produits sur le territoire. En 2018, Sunwater Life, ce sera environ 15 employés et un chiffre d'affaires de 6 millions d'euros. Notre objectif est d'imposer la marque inscription.com comme une marque incontournable pour la gestion des inscriptions en ligne à tout type d'activité. On va commencer step by step par vraiment couvrir la zone du SICOVAL, la région toulousaine au sens large. Et dans 2 ans, je pense qu'on aura terminé cette phase française et on va s'adresser à l'Europe.